Bonjour les troisièmes, ici on va discuter quelques exercices à propos des pictogrammes et des diagrammes à bande. Donc, ça dit quoi ici? La première question, ça dit que écris trois choses que ce pictogramme t'indique. Donc, on va lire un petit peu. Élèves qui ont des animaux familiers dans la classe de Madame Samson. Donc, il y a des élèves dans la classe de Madame Samson qui aiment avoir le chien chez eux. Ou des hamsters, ou cheval, ou oiseau, ou lapin, ou chat, ou poisson, ou aucun animal même. Chaque dessin, chaque logo, ça ne représente pas un étudiant, ça représente deux élèves. Donc je dois faire attention à ça. Donc je peux dire que les élèves qui aiment les lapins, par exemple, égale combien? Deux élèves. Si je veux savoir les élèves qui aiment les chiens, il y a 1, 2, 3, 4. 4 fois 2 égale 8 élèves. Waouh! Si je veux savoir qui aime les poissons, donc je compte 1, 2, 3. Donc, 3 fois 2 égale 6 élèves. Donc, voilà comment je peux répondre à la question. On va voir à question numéro 2 maintenant. Ça dit quoi? Voici les résultats d'un sondage mené auprès d'élèves. La question porte sur leur animal préféré. Donc, je dois lire. Je trouve que si je voudrais savoir... chaque dessin représente quoi? Chaque dessin représente 10 élèves. Donc, première question, ça dit quoi? Combien d'élèves préfèrent les chiens? Où sont les chiens? Ici. 1, 2, 3, 4, 5 logos. Donc, 5, chaque logo représente 10 élèves. Je répète le 5, j'ajoute le 0 à l'unité. 50 élèves préfèrent les chiens. Donc la réponse ici, 50. Puis après ça, il dit quoi? B, ordonne la liste des animaux. Commence par l'animal qui est le plus populaire. Qui est le plus populaire? C'est les chiens, c'est le plus grand nombre. Donc chien en premier. Virgule. Qui après ça? Le chat. Donc, si ça c'est 5, ici c'est 4. Donc, chat. Parce qu'on commence par l'animal qui est le plus populaire. Puis après ça, un petit peu le moins populaire. Après ça, le panda. Puis après ça, le guépard. Et l'éléphant aux mêmes choses. Donc, guépard et éléphant. Très bien. Combien d'élèves ont participé au sondage? Oh oh! Comment je peux savoir combien d'élèves ont participé? Ils n'ont rien dit au problème ici, au début. Donc, comment je peux savoir? Je peux savoir avec le nombre d'élèves dans le dessin. Donc, ici pour le chien, c'est 50. Ici pour le chat, 1, 2, 3, 4. Donc 40, donc pour le chien 50, pour les chats 40. Puis après ça, pour le panda, 1, 2, 3, 3 fois 10, 30. Puis après ça, 1 pour le guépard, c'est-à-dire 10, et 10 pour l'éléphant. Si j'ajoute ces nombres, 50 et 40, 90. 90 et 30, 120. 120 et 10, 130. 130 et 10, 140. J'ai 140 élèves qui ont participé au sondage. J'espère que vous avez bien compris comment je peux répondre aux deux questions. On va maintenant aller aux questions pour les diagrammes à bande.
Marielle interroge les élèves de trois classes, de troisième année. Elle leur demande quelle est la couleur de leurs yeux. Donc je vois ici, il y a l'axe horizontal ici. Il y a bleu, brun, noisette, vert, gris. Donc ça, c'est la couleur des yeux. Et dans cet axe Y ici, vertical, il y a le nombre des élèves. Donc, quelle couleur est la plus courante, le plus haut? Donc, brun. C'est le plus haut. Quelle couleur est la moins courante? Moins courante, c'est le plus petit. Gris. Pour le moins courant. Combien d'élèves aux yeux bleus y a-t-il de plus que les élèves aux noisettes? Donc, bleu, c'est combien? C'est ici. Noisette, c'est combien? C'est ici. Donc, 25 moins 15. 25 moins 15, ça donne 10. Donc, 10 élèves de plus qui ont des yeux bleus que des yeux noisettes. Combien d'élèves aux yeux bruns y a-t-il de plus que les élèves aux yeux verts? Brun, ça donne 35. Vert, ça donne 10. Donc, si je fais 35 moins 10, tout de suite, ça me donne 25. 25 élèves de plus avec des couleurs brunes que des couleurs vertes. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment je peux répondre aux questions avec des diagrammes à bande ou des pictogrammes. Merci pour votre attention.